Alors, nous avons vu jusqu'au lieu saint. Nous avons étudié jusqu'au lieu saint, oui, et nous entrons maintenant dans le lieu très saint. Donc, pour entrer dans le lieu très saint, il y a un voile, n'est-ce pas? Il y a un verbe. Un voile qui est similaire, n'est-ce pas, donc à l'intérieur. Et il y a le dessin des chérubins qui doit vous rappeler de Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Après que Adam a été chassé du jardin d'Éden, il y a eu des chérubins qui ont été placés à l'entrée pour garder la porte. Le voile qui entre dans le lieu très saint a les chérubins. Vous rentrez à l'intérieur, il y a l'arche de l'alliance qui a aussi les chérubins, deux chérubins. Donc, il y a des chérubins partout. Et cela est significatif pour les enfants d'Israël que arriver ici, c'est la présence de Dieu. Donc, le voile, vous devrez rentrer par le voile pour accéder au lieu très saint. Et nous, aujourd'hui, nous savons qu'à travers le Nouveau Testament, la signification de ce voile. Que signifie ce voile pour nous? Peut-être nous ne connaissons pas encore. Allons à Hébreux chapitre 10, verset 20. Hébreux 10, 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc ce voile, c'est la chair de Jésus, le corps de Jésus. Lorsque son corps a été déchiré à la croix, le voile dans le temple s'est aussi déchiré du haut en bas. Et la voie était ouverte pour le lieu très saint. Ce n'était plus le souverain sacrificateur, mais tous les croyants pouvaient entrer dans la présence de Dieu à travers la mort de Jésus. Et il a ouvert ce chemin pour nous en déchirant son propre corps. Pour que le voile qui sépare le lieu très saint et le lieu saint soit ôté. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'arche de l'alliance. Alors, nous allons voir l'arche de l'alliance maintenant. Allons-y, à la prochaine leçon. Les premières pages sont une introduction. Donc, la page suivante où il y a l'image de l'arche. Donc, voilà à quoi cela ressemble. C'est en bas, c'est une sorte de coffre avec une couverture qui contient les deux chérubins et il y a aussi deux poignées pour que les sacrificateurs puissent utiliser, n'est-ce pas, ces poignées-là pour transporter. Ils ne touchent pas, tout celui qui touche meurt. Souvenez-vous l'histoire de Uzza, n'est-ce pas, et Ayoub. Lorsqu'ils transportaient, n'est-ce pas, l'arche de l'Alliance, ils ont touché et ils sont morts, tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Oui. Oui. Oui, peut-être c'est. Oui. Ils étaient supposés juste le porter, pas le toucher. La Bible dit clairement, l'arche de l'alliance doit être portée par les enfants de Kohath, n'est-ce pas? Dans la descendance de Lévi, ce sont les enfants de Kohath qui devraient le porter sur leurs épaules. Les autres pouvaient prendre les autres choses, mais l'arche de l'alliance devrait être portée sur les enfants des sacrificateurs et la descendance de Kohath. Mais ces deux Inadab ne savaient pas cela. Ils ignoraient, ils n'ont pas lu
le livre. C'est aussi un problème, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas les règles de Dieu. Ils ignoraient. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on le serve. Alors, regardons à l'arche de l'Alliance. Donc, c'est une sorte de box, n'est-ce pas, qui a 125 cubes, n'est-ce pas, de deux côtés. Il a été fait avec quel type de bois? Le bois de Kécho. C'est le seul type de bois qu'il y avait là-bas. Et il était couvert avec de l'or. Donc, le bois de Kécho symbolise quoi? L'humanité de Jésus-Christ. Notre nature humaine. L'or qui le couvre symbolise quoi? La divinité de Christ. La divinité de Christ. Donc, c'était purement de l'or. Purement de l'or. Pourquoi l'or symbolise-t-il la divinité de Jésus? Parce que l'or ne change pas. L'or ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit: Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc l'arche de l'Alliance. Et aussi le Kécho de Jésus, l'humanité de Jésus et l'or, la divinité de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les trois objets saints qu'il y a à l'intérieur. Il y a donc la jarre de manne, il y a les deux tablettes, n'est-ce pas, de témoignages et aussi le bâton d'Aaron. Donc voyons ces trois choses une après une. Premièrement, c'est la jarre de manne. De manne. Lorsque la manne est tombée premièrement dans le désert, qui était leur septième camp, Dieu dit à Aaron et Moïse de prendre une jarre et de mettre cela à l'intérieur et de déposer devant le testimonial. Qu'est-ce que c'est que le testimonial? Le testimonial, donc, c'est le nom qu'on a donné aux tablettes, n'est-ce pas, des 10 commandements. Donc, Dieu a dit à Moïse et à Aaron de prendre quelques mannes et de mettre ça dans l'arche à côté des deux tablettes, n'est-ce pas? Donc, les jarres de manne, qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Que nous enseigne cette jarre, n'est-ce pas? Elle nous démontre Jésus qui est le pain descendu du ciel. Il est notre pain. Et Matthieu 4,4 nous dit: l'homme ne vivra point de pain, mais par toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, cette jarre de manne est gardée dans l'arche de l'Alliance. Mais est-ce que vous savez, regardez à Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, versets 32 à 33. 34. Moïse dit: voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron: prends un vase, mets-y de la manne pleine de homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant les témoignages, afin qu'il fût conservé. Lorsque vous lisez la version en anglais, vous n'allez pas comprendre. Mais lorsque vous regardez à la grecque, n'est-ce pas, à la traduction grecque, Dieu est en train de dire à Aaron et Moïse de faire deux choses ici. Premièrement, prenez une jarre de manne, vous la mettez dans l'arche de l'Alliance, mais il commande aussi aux enfants d'Israël que chaque famille doive avoir un vase de manne dans sa famille pour être gardé pour les descendants. Reverend Park a révélé cela pour la première fois dans son livre. Parce que si vous regardez au grec, il y a deux verbes différents qui ont été utilisés. Qu'est-ce qui est dans le commandement singulier qui a été donné à Aaron? Il dit: toi, prends une jarre de manne. Et ensuite, le deuxième, c'est au pluriel, la deuxième personne. Donc, toi, dans le pluriel, n'est-ce pas? Donc, vous tous devrez avoir la manne dans votre maison pour la conserver, que vous pouvez montrer cela à votre descendance. Voilà ce que nos ancêtres ont mangé dans le désert.
Ce que cela veut dire pour nous, c'est cela s'applique à nous, n'est-ce pas? Nous sommes la nouvelle Israël. Et Dieu est en train de nous ordonner. Chacun de nous doit avoir la manne spirituelle dans sa maison pour qu'on puisse la montrer à nos enfants. Et c'est cela la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Afin que nous puissions les montrer aux générations à venir. Parce que si c'est dans l'arche de l'alliance, ils ne peuvent pas la voir. Personne ne peut regarder à cela. Vous ouvrez, vous mourrez, n'est-ce pas? Donc la seule manière pour que les générations puissent voir ça, c'est si vous gardez cela dans vos maisons. Mais vous savez quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce qui est arrivé dans la main lorsque vous la... Qu'est-ce qui arrive à la main lorsque vous gardez la nuit, n'est-ce pas? Elle pourrit. Mais cette main, non. Intéressant. J'ai cette compréhension que la manne qu'ils devraient garder dans l'arche de l'alliance et la manne qu'ils devraient garder dans leur maison était la manne du sixième jour. Souvenez-vous, le sixième jour, qu'est-ce qui se passe lorsque vous le gardez, n'est-ce pas, durant la nuit pour le sabbat, ça ne pourrit pas. Donc voilà ma compréhension, c'est la manne du sixième jour qu'ils ont gardée pour les générations. Pour que le vase de manne. La deuxième chose, ce sont les deux tablettes en. Ce sont les deux tablettes, n'est-ce pas, en rocher. Selon vous, à quoi elles ressemblent? Hein? Lorsque vous regardez en ligne, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Et on écrit dessus comme ça. Vous savez pourquoi cela n'est pas juste? Parce que lorsque vous regardez à la taille, la dimension de l'arche de l'Alliance, ça ne peut pas rentrer à l'intérieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça va se coller. Ça doit ressembler à ça. Ça doit être en carré. Ça doit être en carré. Les deux tablettes doivent être en carré. C'était du carré. Regardez, retournez donc à votre document. Exode 32. Exode 32, verset 15. Et Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tablettes du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Est-ce que vous saviez cela? Elles étaient écrites sur un seul côté ou deux côtés? Les deux côtés. N'est-ce pas? Les écritures étaient sur les deux côtés. Donc, comment cela a été divisé? 1, 2, 3, 4, 6, 1 à 5 ou 6, 6 à 10. Les 10 commandements étaient écrits dessus, n'est-ce pas? Alors, comment cela a été divisé? 1, 2, 3, pourquoi? Le premier, peut-être, hein? Mais les quatre premiers étaient pour Dieu, n'est-ce pas? Et les quatre derniers étaient pour la relation. 1 à 4, les quatre commandements, les quatre premiers commandements, c'est notre relation avec Dieu. Et de 5 à 10, c'est notre relation envers nos semblables. Donc, il y a deux, n'est-ce pas, tablettes. Il y a deux tablettes en rocher et les écritures, c'est des deux côtés. Ça veut dire qu'il y a quatre côtés, n'est-ce pas? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment est-ce que la division a été faite? Deux, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Je pense que nous ne savons pas exactement comment ça a été divisé, mais je peux vous dire ceci. Les deux tablettes étaient des copies les unes des autres.
C'est les deux tablettes, c'était quoi? Donc, les 10 commandements étaient sur l'une, l'autre tablette, et les 10 commandements étaient encore écrits sur l'autre tablette. Ce sont des copies. Pourquoi? Quelles étaient les paroles des 10 commandements? Comment on les appelle? On les appelle les paroles de l'alliance. Les 10 commandements sont appelés les paroles de l'alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est un contrat, n'est-ce pas? Lorsque vous rédigez un contrat, vous avez une copie, n'est-ce pas? Donc, ces deux étaient des copies. C'est le contrat de l'alliance que Dieu a fait avec Israël. L'un est pour Dieu et l'autre est pour Israël, pour nous. Mais Dieu dit, vous gardez les deux tablettes. Donc, toutes les deux étaient mises dans l'arche de l'alliance. Est-ce qu'elles étaient les mêmes? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les deux copies? Non. Nous savons cela parce que c'est supposé être les paroles de l'alliance, n'est-ce pas? Et Dieu voulait deux copies, une pour nous et une pour lui. Et les deux tablettes qui ont été, ce sont les deux tablettes qui ont été faites pour la deuxième fois. Souvenez-vous, la première fois lorsque Moïse est descendu, il les a trouvés en train ils étaient dans l'idolâtrie, alors il les a brisées. Pourquoi Moïse les a brisées? Parce qu'il était en colère. Aussi, c'est un contrat, c'est une alliance. Et quelles sont les stipulations d'un contrat? Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image d'un autre Dieu. Donc, lorsqu'ils ont fait l'agneau, le veau, ils ont brisé l'accord, n'est-ce pas? Donc, si Moïse n'avait pas brisé les deux tablettes, qu'est-ce qui allait se passer? Israël allait mourir. Donc, c'est par grâce que Moïse a brisé les deux copies. Les deux tablettes qui contenaient les commandements pour sauver les enfants d'Israël. Alors Dieu dit à Moïse maintenant de revenir, et en cette fois-ci, Dieu a dit à Moïse lui-même d'amener les deux, n'est-ce pas, tablettes. Regardez en Deutéronome chapitre 10, versets 1 et 2. Et en ce temps, Moïse dit à Moïse, prends pour toi-même deux tablettes comme les formes et viens vers moi à la montagne. Et fait l'alliance. Je vais écrire sur les tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as prises. Donc, cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse d'aller chercher les deux tablettes, n'est-ce pas? Et Dieu allait écrire dessus. Donc, les deux tablettes de l'alliance qui avaient les paroles de l'alliance, le témoignage, qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Allons à Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Le verset dit. Donc, Jérémie 31 parle de la nouvelle alliance. Et au verset 31, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une nouvelle alliance. Et au 33, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, dans l'ancienne alliance, qui est l'alliance
sur la montagne Sion, Dieu a écrit les lois sur ces tablettes-là en rocher. Mais de la Nouvelle Alliance, il écriva ses commandements sur nos cœurs. Donc, les deux tablettes-là qui ont les paroles de l'Alliance nous démontrent le peuple de la Nouvelle Alliance des temps en dernier, toi et moi. Si nous croyons à la promesse de Dieu, cette promesse ici, si nous croyons à cette promesse, c'est cela qui va nous arriver. Donc, il va graver sa parole sur nos cœurs. Ce que cela veut dire, c'est que nous serons capables de garder ces paroles dans nos cœurs. Ces tablettes-là qui ont ces écritures, on ne peut pas les effacer, c'est permanent. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer, ça ne peut pas être supprimé, ils sont à jamais. Et cela démontre le jour, n'est-ce pas, dernier, où les hommes, les peuples de la Nouvelle Alliance auront la parole de Dieu sur leur cœur, qui va changer leur cœur, qui va changer leur vie. C'est cela l'évangile de Jésus-Christ. C'est cela la parole de l'histoire rédemptive. Et c'est ce qui va changer nos cœurs. La loi de l'Ancien Testament n'était pas à mesure de faire cela. Mais la bonne nouvelle peut le faire. Amen. Allons aussi en 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3. Lisons ensemble. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par nos ministères, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Amen. Donc, ces deux tablettes en pierre démontrent les cœurs transformés du peuple de la Nouvelle Alliance. Et troisièmement, les ustensiles saints. La troisième chose sainte, c'est le bâton d'Aaron. Nous savons tous l'histoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, de Korah se sont rebellés, n'est-ce pas, contre Moïse et Aaron, et ils ont dit, vous n'êtes pas les seuls à qui Dieu apparaît et à qui Dieu aussi donne une révélation. Nous aussi, nous parlons à Dieu. Qu'est-ce qui fait de vous spécial? Donc, cette rebelle de Korah manifeste la rébellion des enfants d'Israël contre Jésus-Christ. Jésus est le seul et unique Fils de Dieu que Dieu a envoyé. C'est lui le seul. Mais tous les autres leaders religieux ont dit, nous aussi, Dieu nous a envoyés, nous aussi, nous parlons à Dieu, Dieu parle aussi. Mais ce n'était pas la vérité, ils mentaient. Et ils se sont rebellés contre Jésus-Christ. Alors, pour donc démontrer tel un signe, pour révéler que Aaron est celui que Dieu a choisi, qu'est-ce que Dieu leur a demandé de faire? Il a demandé à chacun d'eux d'amener son bâton, les douze tribus. Donc, ils ont tous amené leur bâton et ils l'ont déposé devant l'arche du témoignage. Et le bâton de Aaron est le seul bâton qui a porté des fleurs, n'est-ce pas? Dans Nombre chapitre 17, verset 8. Le prochain jour, Moïse alla à la tente du témoignage et voilà l'arche, le bâton de Aaron avait porté des fleurs et avait porté des fruits. Donc, le bâton n'a pas seulement repris vie, mais il a aussi porté des fruits, n'est-ce pas? Ce bout de bâton qui a été coupé, qui est sec, a porté des fruits. Donc, qu'est-ce que ce bâton de Aaron nous montre la résurrection de Jésus-Christ?
et l'expansion globale de l'évangile de Christ. Ce bâton, c'est un bois sec, n'est-ce pas? C'est un bois qui est sec, mais il a porté des fruits. Donc cela nous symbolise la résurrection de Jésus. Jésus est mort et tout le monde pensait que oui, nous avons gagné, nous l'avons tué, mais il est ressuscité. Et le fait que cela a eu porté des fruits nous montre l'expansion globale de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ sera qui proclame la résurrection de Christ va porter des fruits. Donc, voilà les trois objets saints qui se trouvent dans l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Dans 2 Chroniques, nous avons qu'il a pris. Il y avait cinq, mais seulement un objet qui restait. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 9, versets 3 et 4. Hébreux chapitre 9, verset 4 dit: Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc, selon moi, voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce que nous croyons, c'est que originellement l'arche de l'alliance avait les trois objets, n'est-ce pas? Les deux tablettes de pierre, la jarre de manne et aussi la verge de Aaron qui a fleuri. Et lorsqu'on vient en Chronique, après le temple de Salomon a été détruit, peut-être ils ont ouvert le, peut-être ils l'ont ouvert, mais en ce temps-là, il n'y avait que les deux tablettes qui restaient dedans. Mais au tout début, lorsque Dieu l'a donné aux enfants d'Israël, il y avait ces trois objets à l'intérieur. Et ces trois objets nous révèlent Jésus-Christ. Révèlent Jésus-Christ. Jésus, le cœur de Jésus est comme ces tablettes-là de pierre. Il a la parole de l'alliance qui sont écrites sur son cœur. Et c'est cela le prototype, c'est ce que nous voulons devenir. Nous devrons avoir ces paroles gravées dans nos cœurs. Mais maintenant, ces trois objets sont à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? De former, de fermer, de fermer. De fermer, n'est-ce pas? Et cette fermeture, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, le trône de la grâce. Le trône de la grâce est différent, n'est-ce pas, de l'arche. L'arche est faite de bois et couverte d'or. Mais la couverture, c'est de l'or pur, entier. C'est la couverture, c'est un or pur, solide. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer la lourdeur? C'est très lourd, n'est-ce pas? Et cela était utilisé pour fermer l'arche de l'alliance. Et les deux chérubins étaient placés dessus. Les deux chérubins sont une pièce, n'est-ce pas? Avec, n'est-ce pas, la couverture. C'est pas qu'ils ont fait les chérubins séparément et ils ont essayé de coller ça au trône de la grâce. C'est une seule pierre. C'est un seul bloc. C'est de l'or entier, massif. C'est une seule pièce. Et Dieu dit, je vais vous rencontrer là. Où? Où est-ce où? Ce où la veut dire où? Au-dessus du trône de la miséricorde, entre les deux chérubins, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ben, qu'est-ce qu'il y a entre les deux chérubins? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Il n'y a rien là-bas. Et Dieu dit, c'est là que je vais vous rencontrer, pour un but bien précis, afin que les enfants d'Israël ne vont faire aucune image de lui, n'est-ce pas?
Il n'y a rien dans cet espace et c'est là où Dieu se trouve, sur le trône de la miséricorde entre les deux chérubins. Et c'est là où Dieu parle aux enfants d'Israël et c'est là que Dieu parle à Moïse. Regardons à la signification rédemptive de l'arche de l'Alliance. L'arche est la symbolisation de Jésus-Christ et spécialement le trône de la grâce. L'arche est couverte par ce trône de la miséricorde et cela veut dire que Dieu ne va pas nous juger en utilisant les standards de la loi qui sont à l'intérieur de l'arche. Il les a couverts, il les a fermés, ne les ouvrez pas. Cela manifeste, n'est-ce pas, la grâce expiatoire de Jésus-Christ. Si Jésus devrait nous juger en utilisant les standards de la loi, qu'est-ce qui allait se passer? Nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Et nous irons tous en enfer. Donc Jésus a couvert cela avec sa grâce et sa miséricorde et sa parole et son sang aussi. Deuxièmement, elle signifie l'image des saints sanctifiés. Nous avons reçu une nouvelle naissance à travers Jésus. Pourquoi l'arche de l'Alliance révèle l'image des sanctifiés? Parce qu'elle a les deux tablettes de pierre et aussi de témoignages à l'intérieur. Et les gens qui sont nés de nouveau à travers l'Alliance, cela symbolise combien nous, maintenant, nous avons internalisé la parole de Dieu. Les gens de la Nouvelle Alliance ont internalisé la parole de Dieu et la parole de Dieu doit être gravée dans nos cœurs. Donc, l'arche de l'Alliance nous montre l'image des véritables saints de la Nouvelle Alliance. Voilà comment nous devrons être. La parole est à nous. Cela veut dire que nous sommes maintenant l'arche de l'Alliance qui est la maison de l'Éternel et nous devrons devenir cela. C'est ce que nous devrons chercher à devenir. Amen. Donc, nous avons vu Jérémie 31, 33 et 1 Corinthiens 3, 3. Alors, ce que nous avons besoin de faire, c'est de manière diligente, c'est-à-dire graver la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est cela le travail de chaque saint qui a reçu la nouvelle alliance. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes tous ici, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Essayez de graver comme des pièces, des pierres, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas faire cela d'une seule manière, mais c'est continuellement que nous faisons. Mais une fois que cela est fait, c'est permanent. C'est à jamais. Alors, ce trône de la miséricorde symbolise le sacrifice de Jésus-Christ qui couvre tous nos péchés.